Bonjour, je me présente, je suis Martine Vanière, logopédiste. Je vais vous présenter mon métier. Et avant toute chose, je voudrais dire que j'exerce comme logopédiste indépendante à Fétigny, tout près de Payerne, et je suis aussi logopédiste conseillère scientifique auprès du service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide à Fribourg. Ce service étant responsable de l'organisation d'un certain nombre d'actions ou de formations pour les logopédistes fribourgeoises. Quelle est ma profession? La profession de logopédiste, qui peut se dire orthophoniste en France et dans le canton de Neuchâtel où on fait un master à l'université de Neuchâtel, eh bien cette profession est une profession thérapeutique. Je suis une thérapeute du langage et de la communication et j'interviens dans toutes les situations de difficultés ou de troubles spécifiques du langage et de la communication. Et ce peut être chez le bébé, chez le jeune enfant, chez l'enfant en âge scolaire, chez l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte et la personne âgée. J'insiste sur le fait que notre métier, mon métier, est un métier thérapeutique, à savoir que c'est un métier de soins. On va veiller à installer une relation entre un patient et un thérapeute, qu'est le logopédiste, pour pouvoir l'aider à remobiliser un certain nombre de fonctions autour du langage et de la communication. Et je trouve important aussi que la notion de trouble spécifique du langage et de la communication soit bien comprise dans la description de ma profession, de la profession de logopédiste, à savoir qu'on intervient lorsque des difficultés apparaissent, mais aussi lorsque on doit poser un diagnostic et on est confronté à des questions des parents ou d'autres intervenants en disant est-ce que l'enfant X, Y présente des troubles spécifiques dans le développement de son langage et de la communication? Et dans notre profession, un des rôles importants est de poser un diagnostic de présence ou non de difficultés de langage et de communication. On accompagne toute une population et toute une palette de personnes dans notre travail en fonction de nos lieux d'exercice de la profession, et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que, en principe, les logopédistes sont aussi en charge de la prévention des troubles du langage et de la communication. Donc elles doivent pouvoir, comme je vous l'ai dit, les diagnostiquer et en même temps, elles doivent aussi pouvoir accompagner des familles avant qu'une difficulté de langage et de communication se présente chez un enfant en principe. Donc cet accompagnement qu'on appelle la prévention se passe avec une idée, un principe de base qui est la promotion du développement du langage et de la communication. On ne va pas chercher à cristalliser ou à se focaliser sur l'existence d'un trouble, on va plutôt travailler avec les familles pour savoir comment est-ce que les parents, les intervenants principaux autour de l'enfant, je pense par exemple aux éducateurs d'une crèche, comment est-ce qu'ils peuvent avoir de bonnes pratiques pour stimuler l'enfant dans le développement de son langage et de sa communication au cas où il allait présenter un retard. Donc ça, c'est une autre facette de l'exercice de notre profession. Il y a celle de la pose du diagnostic, il y a celle de l'accompagnement thérapeutique où on va travailler. En principe, c'est plusieurs années avec un enfant jusqu'à ce qu'il arrive à une remobilisation de ses compétences au niveau du langage et de la communication. Et il y a aussi une partie de l'exercice de la profession qui peut se faire dans le domaine ou le milieu de la recherche. Alors, les domaines d'activité de la logopédiste, je vous en ai déjà dit brièvement l'essentiel, mais en fait, on peut travailler dans une large palette de contextes. On peut travailler en situation de cadre scolaire, c'est-à-dire pour le canton de Fribourg, entre autres, dans les SLPP, dans les services de logopédie, psychologie et psychomotricité, qui sont mis sur pied par les communes et qui sont desservis par des institutions, des services qui proposent ce genre d'approche. Et là, on va travailler en collaboration avec les enseignants de l'école ordinaire, les directions d'école et tous les autres intervenants autour d'un élève pour en fait prendre en charge en particulier des difficultés qui seraient des difficultés de type dysphasique,
dyslexique, dysorthographique. Donc, dans notre jargon, ce sont ces termes qu'on utilise, mais ça veut dire des difficultés de troubles spécifiques dans le développement du langage oral ou troubles spécifiques dans le développement et l'apprentissage du langage écrit. Et je dirais que ce champ d'activité est un champ d'activité qui engage, qui propose beaucoup de places de travail aux logopédistes, puisque voilà, il y a passablement d'arrondissements scolaires, de cercles scolaires, d'écoles qui doivent se doter de possibilités de prise en charge par les services de logopédie. Un autre champ d'activité de la profession, ce pourrait être en milieu scolaire spécialisé. Donc les logopédistes peuvent aussi travailler dans des structures institutionnelles qui sont séparatives par rapport au système scolaire dont je vous parlais tout à l'heure. Ces structures séparatives peuvent être à l'échelle du canton de Fribourg des classes de langage ou des classes d'enseignement spécialisé qui accueillent certains enfants avec des profils cognitifs par exemple déficitaires ou alors avec des pathologies spécifiques qui pourraient être une infirmité motrice cérébrale ou par exemple une surdité. À ce moment-là, on pourrait parler au niveau de la profession de logopédiste d'une forme de spécialisation dans ces domaines de pathologies qui sont moins courantes, on pourrait le dire, que celles qui se présentent dans le milieu scolaire. Il y a encore des possibilités de travailler avec les enfants en âge préscolaire et c'est très souvent les cabinets des logopédistes indépendantes qui travaillent dans ce champ d'activité, donc en général avec des familles qui sont en souci par rapport au développement du langage et de la communication des enfants et qui cherchent des réponses et qui questionnent et qui ont aussi besoin de conseils et de guidance pour accompagner leurs enfants. Et puis ensuite, une minuscule partie de l'exercice de la profession de logopédiste peut se passer en milieu hospitalier, à savoir il y a très peu de places disponibles pour ce type d'exercice de la profession en collaboration avec les neuropsychologues ou neurologues dans les domaines qui sont plutôt les pathologies d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien cérébral et aussi qui entraînent en fait des pertes du langage et de la communication qu'on appelle des aphasies. Donc voilà en résumé les principales structures d'exercice de la profession en cabinet indépendant, dans les SLPP, en centre ou classe d'enseignement spécialisé et en milieu hospitalier. Pour vous parler aussi de la profession, il y a peut-être besoin de comprendre quels sont les éléments incontournables dans le choix de cette profession, voilà, auxquels on est confronté au quotidien. Le premier élément, c'est vraiment d'avoir compris que ce travail implique une dimension thérapeutique. On s'inscrit dans une prise en charge qu'on appelle du soin. Donc on propose quelque chose ou un cheminement à la personne et on n'est pas dans un applicationnisme technique de rééducation, mais on va chercher avec ce que le patient nous propose, avec notre savoir-faire et notre savoir-être, on va chercher le chemin qui va lui permettre de remobiliser un certain nombre de compétences. Mais il arrive aussi assez régulièrement, puisqu'on est dans cet exercice thérapeutique de notre métier, que en face de nous, certaines familles viennent nous faire écho ou faire résonance à des problématiques qui sont des problématiques personnelles du thérapeute. Et donc ce travail-là implique une deuxième composante qui est travailler à la connaissance de soi et au développement personnel. Comme logopédiste, on est amené à bien réfléchir aux enjeux de la thérapie, à ce qu'on met en jeu de nous dans le lien à nos patients et ce que les patients nous font résonner quelque part dans cette rencontre thérapeutique. Et on doit être au clair et cela implique régulièrement un travail d'intervision avec des collègues ou de supervision chez d'autres professionnels, voire un travail plus personnel de psychothérapie. Pour pouvoir, je dirais, maîtriser, même si ce n'est pas forcément le bon terme, mais pour pouvoir avoir une sorte de prise sur ce qui va être en jeu dans le lien thérapeutique au-delà du langage, qui est un outil, eh bien, il faut bien se connaître, on pourrait dire comme ça, et il faut aussi comprendre les enjeux de ce qui se joue au-delà de la problématique langagière.
Et puis, il faut être prédisposé à la communication. Il faut être intéressé par la communication, l'échange, les discussions, les recherches de consensus, si je pense aux différentes réunions de réseau qui peuvent se présenter dans le milieu scolaire, entre autres. Donc, le logopédiste est un partenaire des différents professionnels autour de l'enfant, qui par exemple peut être un élève, et il s'agira justement pour lui de faire des propositions et d'indiquer quelle est la problématique selon lui que présente l'enfant en regard de son fonctionnement d'élève et en regard de son fonctionnement d'enfant dans une famille. Donc il s'agira bien d'être partenaire des parents, partenaire des enseignants pour réfléchir aux besoins de l'enfant et à que mettre en place pour l'accompagner au mieux. Je dirais que là, c'est absolument nécessaire d'avoir envie d'être dans l'échange, dans la communication, dans peut-être quelque part des fois la négociation pour mettre en place un certain nombre de priorités. Et il s'agit aussi d'être dans l'accueil. Donc pour moi, la notion de communication implique aussi une notion d'accueil. Accueil de l'autre, accueil de sa différence, accueil de parents qui pourraient avoir des comportements agressifs, mais parce qu'ils sont en souffrance ou parce qu'ils sont inquiets. Donc d'avoir une sensibilité à l'autre et à ses limites et ses fragilités. Et puis, il y a peut-être aussi un domaine qui est très très intéressant dans la profession parce qu'il fait qu'on ne s'ennuie jamais, j'estime ça, après 30 ans de pratique comme logopédiste, c'est vraiment l'aspect créatif que cela implique. Donc il va falloir se tenir au courant de l'évolution de la profession. Il va falloir se tenir au courant de l'évolution des théories du langage et de la communication. Les neurosciences, depuis de nombreuses années, apportent un éclairage tout à fait intéressant et nouveau par rapport aux éléments de langage et de communication. On peut, par exemple, situer des zones cérébrales, on peut identifier des problématiques qui sortent des composantes héréditaires puis qui amènent vers des pistes génétiques, par exemple, en termes de dyslexie, dysorthographie. Donc le logopédiste doit avoir une forme de veille scientifique, quelque part allumée, en réfléchissant et en se tenant informé, et aussi, en fait, d'être structuré à organiser un plan, un projet thérapeutique, un cheminement qu'il va proposer, tout en étant créatif. Donc ce sont les deux éléments qu'il s'agira de marier, puisqu'il n'y a pas une seule manière ou un seul chemin pour arriver à, par exemple, permettre à un enfant de remobiliser ses compétences en langage oral. Je dirais qu'il y a autant de chemins et autant de pistes que d'enfants, même si on a des grandes routes ou autoroutes tracées dans l'idée de comment on va accompagner chacune des pathologies de langage, on va aussi, bien entendu, tenir compte de la composante personnelle de l'enfant et de l'impact des difficultés pour ajuster au mieux. C'est presque un travail de dentelle. Alors, quelle formation? J'y passe rapidement, je vous ai mis les liens pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires, pour ne pas être redondante avec les informations que vous pouvez trouver aussi ailleurs. J'insiste sur le fait que dans les deux formations francophones, à Genève et à Neuchâtel, entre autres à Neuchâtel, il y a un concours d'entrée après le bachelor, qui peut être un bachelor en logopédie, mais qui peut être un bachelor aussi dans d'autres branches. Et puis ensuite, l'entrée en master professionnalisant. C'est-à-dire, après le bachelor et le master, on peut travailler comme logopédiste dans la partie germanophone pour les personnes qui ont la langue maternelle allemande. Alors, c'est l'Institut de pédagogie curative qui propose à Fribourg une formation d'orthophonie, mais uniquement pour les personnes qui parlent l'allemand ou qui sont parfaitement bilingues français-allemand. Quelques informations qui pourraient être intéressantes aussi à connaître sur le métier de logopédiste un peu en vrac, mais dans l'idée de « est-ce que je m'engage dans ce métier-là ?» Bien, les logopédistes sont des personnes recherchées. Il y en a systématiquement qui sont manquantes dans certains services, dans certaines institutions. Donc, il n'y a pas de difficulté à trouver un emploi comme logopédiste, je dirais. Peut-être plus difficilement en milieu hospitalier si on a l'objectif de travailler dans ce milieu-là. Mais dans les services, dans les institutions et en indépendant, c'est vraiment très simple d'accéder à l'exercice de cette profession. Et elle est essentiellement féminine, alors on cherche des thérapeutes masculins, mais effectivement elle est composée en majeure partie de dames, avec
beaucoup, beaucoup de possibilités de travailler à temps partiel si cela fait sens dans le projet de vie de la personne. Je vous ai parlé du fait qu'on doit tricoter ou en tout cas faire de la dentelle avec chaque patient. Donc, une journée type de travail, ça n'existe pas. On a un planning avec des rendez-vous. Donc, on reçoit en thérapie par rendez-vous, en principe toutes les heures ou toutes les heures et quart, un patient. Puis ensuite, en fonction d'une préparation de séance basique, eh bien, on travaille vraiment sur le moment dans l'accueil de l'autre avec les projets qu'on a les plus proches de sa zone de développement. Il y a un bon niveau salarial. Le salaire brut d'une logopédiste indépendante, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 138 francs l'heure. Et les classifications salariales cantonales sont présentées lorsque on s'engage dans un service. Donc, ce sont en principe les classes salariales 20-21 qui permettent de financer les logopédistes. Par contre, pour les personnes qui seraient intéressées à faire une évolution et viser une carrière en logopédie, à part peut-être chargé de cours ou directeur de service ou d'institution, c'est vrai que ce n'est pas une profession qui va permettre d'avoir un projet de carrière qu'on peut planifier et vers lequel on peut tendre depuis le début de l'entrée en fonction. Donc ça, c'est aussi important de savoir. Je vous invite à aller voir le site de l'association professionnelle qui donne plein d'informations. Aussi en lien aux formations qui peuvent se faire à l'étranger et aussi à différents courants dans le domaine de la prévention, avec des flyers adaptés aux personnes qui se poseraient un certain nombre de questions par rapport au développement du langage. Et puis, si quelqu'un de vous allait être intéressé par voir de plus près, je dirais en live, de quoi il s'agit, contactez-moi à l'adresse qui se trouve ici, pour que je puisse entendre votre demande d'un stage et peut-être l'organiser, soit chez moi, dans mon cabinet, soit auprès de collègues qui sont partantes pour ce type de travail. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite plein succès pour le choix de votre métier et une bonne continuation.